por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Je veux que tu saches que... je ne suis pas d'accord. Mais je te comprends, Anna Julia. Et je t'admire, tu sais. Tu es toujours cette femme courageuse dont je suis tombé amoureux. Anna Julia, prends soin de toi. Prends soin de toi. Oui, oui. Oui. Bon, merci. Ça va aller, hein? Ciao. Là. Bon, si tu veux bien me donner André. D'accord. Oh. Attends un instant, Sébastien. Charlie, je reviens, hein, ok? Attends-moi un instant. Mais ne tarde pas, hein. Oui. Bonjour. On s'en va. Ils ont laissé sortir André. C'est génial. Je suis content pour le petit. Mais pourquoi tu pars si vite? Je voulais, je ne sais pas, t'inviter à déjeuner, me promener avec toi, ou aller au cinéma. C'est vrai? Tu vois? Merci, Arturo. Ce qu'il y a, c'est que mon oncle a appelé pour dire que le père de Charlie est à l'hôpital et... Bon, il faut que j'y aille. Ça a vraiment été un plaisir de te rencontrer, Margarita. J'espère qu'on se reverra vite. Tu as mon numéro? Tu peux m'appeler quand tu veux. Merci. À bientôt. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est la patiente que je t'ai envoyée parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ah, d'accord. Ouais. Ne t'en fais pas, je vais lui donner un rendez-vous. Bonjour, pour la semaine prochaine. Bonjour, docteur Cassas. Ça va? Quand je suis libre, je te préviens. Valéria, mais c'est quoi cette tête? Ces derniers temps, ma chérie, tu es... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce qui m'arrive encore, c'est que ça va pas.
Corinna, Corinna, je viens de voir Reynaldo et Anna Julia se donnant des caresses et des baisers. Des baisers? Hein? Oui, c'est ça, tu as bien entendu. Valeria, mais qu'est-ce qu'il y a? Valeria... Oh mon Dieu, c'est encore le père Lorenzo, il veut absolument me parler. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il veuille te parler? Eh bien, parce qu'il se trouve que... Je pense qu'Anna Julia lui a raconté... Eh bien, l'histoire de la fausse couche, Corinna. Écoute, c'est ça, ça m'angoisse. Ah, oh, écoute, Valeria, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai besoin d'un café. Mais enfin, Corinna! Nina, ça aussi, c'est prêt. Tu veux bien l'archiver, hein? Parfait, docteur. Anna Julia, tu es vivante. Tu es vivante, mon amour. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire maintenant, Reynaldo. Aide-moi. Hein. Oui. Aide-moi. C'est bien toi. Oui, c'est moi. C'est toi, ma chérie. Tu es vivante. C'est toi. C'est toi. Viens. S'il te plaît, ne dis rien. Ne dis rien, ma chérie. Docteur, je vais à la cafétéria avant que le prochain patient n'arrive. Hein? Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. Nina, aurais-tu par hasard, aurais-tu le téléphone de... Oui. De Maruja? Docteur Maruja? Oui, c'est que je le cherche. Je le cherche depuis longtemps et je ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai effacé sans faire exprès. Vous trouverez sur cette feuille ces deux portables. Celui qui est en premier, c'est celui qu'elle utilise toujours. Ok, très bien. Merci. De rien, à tout Merci. De suite. Ah, Valeria, on s'en fiche que Reynaldo et Anna Julia se serrent dans les bras pour se dire au revoir. C'est quoi cette histoire? Ce qui compte, c'est qu'Anna Julia retourne à la Grande Sabana. Tu le savais pas? Qu'elle retourne à la Grande Sabana? Mais Corinna, comment tu sais ça? Ben, parce que j'ai croisé Sébastien et il m'a dit qu'Anna Julia partait avec eux, voilà. Oh, merci mon Dieu d'avoir exaucé mon vœu. Bon, ce n'est pas tout. Raconte-moi. D'après ce que m'a dit Juancho... on dirait que c'est Chari et son papa qui l'ont sauvé dans la forêt. Ah. Alors, c'est pour ça qu'elle y retourne. Et tu sais combien de temps elle part? Elle part définitivement? Des mois? Des années? Dis-moi. Bah Valeria, je ne sais pas combien de temps. Ça dépendra de ce qui se passe avec ce type, non? Et par contre, ce qui devrait t'inquiéter, c'est que le père Lorenzo n'apprenne pas l'énorme mensonge que tu as raconté à Anna Julia. Stop, stop, Corinna, stop! Je suis déjà au bord de la crise de nerfs et toi, tu me parles de lui? Merci. Enfin, Valeria, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire une horreur pareille à Anna Julia, hein? Que tu as fait une fausse couche. Valeria, c'est de la folie. Oui, mais... D'autant plus que tu sais que le père Lorenzo connaît ton secret. Et en plus, tu... Oh, c'est le père Lorenzo! Tu as vu, Corinna? Qu'est-ce que je fais? Où je me cache? Qu'est-ce que je lui dis? Bonjour. Ah, bonjour Vivi, quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Dis-moi. Bien. Tenez, voici les dossiers de tous les patients qui ont confirmé. Ok, parfait. Ceux à qui je n'ai pas donné de rendez-vous sont un peu fâchés. D'accord, mais c'est pas grave, tant pis. Merci Vivi. Ok. Ah, le père Lorenzo... Il est là? Mais non, il était là. Mais il n'y a pas de problème, hein, je vous l'appelle. Non. Attends un instant, Vivi. Je vais l'appeler. Ne t'en fais pas. Va boire un café. Je vais l'appeler. Je m'en occupe. Ah, c'est ne sûr, t'en fais ok, pas. J'y vais. Ne t'en fais pas, je l'appelle. Tu te rends compte, Corinna? C'est de ça dont veut me parler le père Lorenzo. Je le sais. Je le sens. Bon, Valeria, mais tu ne vas pas pouvoir te cacher toute ta vie, Valeria. Il va falloir que tu trouves quoi faire, quoi lui dire, je ne sais pas. Mais si le père Lorenzo... Fini par dire à Anna Julia qu'Andrea est sa fille, tu es foutue. Mais non. Là oui, c'est sûr, non, tu es foutue. Mais non, laisse-moi te dire que non. Je lui ai dit ça dans le secret de la confession. Ce qui veut dire que... Eh bien Corinna, que... Qu'il ne peut absolument rien dire. Tu comprends Corinna, il va devoir rester muet pour le reste de sa vie. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive pour que vous ne décrochiez pas, hein? Allô? Allô? Ah,
c'est une erreur. Bon, je veux savoir pourquoi vous ne répondez pas au téléphone. En fait, Martina, c'est que ce téléphone pourrait nous causer de sérieux problèmes, tu vois. Enfin d'accord, mais expliquez-moi pourquoi. Parce que si Madame Paola apprend que la reine de la jungle est ici avec son fils et avec Monsieur Sébastien, je peux te dire qu'il va y avoir du grabuge en Europe, en Asie, en Afrique, dans les îles de Caraïbes, bon, partout. Bon, ça va, merci pour le cours de géographie. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que vous répondiez au téléphone. Et si Sébastien n'est pas là, il n'est pas là, c'est tout. Ne donnez d'explications à personne, c'est compris ? C'est compris. Écoutez. Allô ? Allô ? Ah ! C'est vous, Madame Paola ! Comment ça va ? Oui, racontez-moi un peu quel temps il fait à Rome. Il pleut, un petit peu. Et c'est Sébastien, ah oui, c'est... Bon, non, non, si, si, non. Attention au tube, attention au tube. Mais bête a une meilleure mine aujourd'hui, Roquet. Tu m'as fait peur, mon pote. J'ai failli aller chercher un prêtre pour qu'il te donne les derniers sacrements. Non, monsieur. L'état de monsieur Roquet s'est beaucoup amélioré. Tu sais, moi aussi, j'ai cru que... ma dernière heure était arrivée, l'Indien. On ne se débarrasse pas aussi facilement d'un animal comme toi. L'Indien, mes points de suture vont lâcher. Excusez-moi. Ah, monsieur Roquet, si vous avez besoin de moi, criez. S'il vous plaît, ici, il n'y a pas de sonnette. Roquet. Qui c'est qui t'a fait ça? Qui c'est? T'en fais pas, l'Indien. T'en fais pas, ils doivent avoir été condamnés. On va bien voir qui est-ce qui va mourir. Écoute-moi bien, l'Indien. La justice tarde, mais ne se trompe pas. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Elle ne se trompe pas. Ne t'en fais pas. Je ne te demande pas à toi pourquoi tu t'intéresses à Maria. Alors ne me le demande pas à moi. Et ne me demande pas comment je vais utiliser cet argent, hein? On a partagé la récompense, c'est vrai. Mais c'est toi qui as appelé la police et qui leur a dit où était la fille. Et Roquet, je le veux en vie, en forme et à mes côtés. C'est bien compris, mon petit marsouin. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'obéir? Ça. Baniba. Comment Sébastien n'a-t-il pu décider de retourner dans la jungle? Alors qu'il n'y a eu que tout un tas d'ennuis. D'abord, il a failli se noyer dans une cascade. Et ensuite, cet imbécile d'Attilio l'a confondu avec l'incendiaire et... il l'a presque tué. Vous avez bien fait de le laisser boiteux, chef, cet imbécile. Tenez. Mais ce qui m'inquiète le plus, à vrai dire, c'est que Sébastien soit amoureux de cette petite aveugle. C'est qu'on peut le comprendre, chef. La petite est ravissante. Plus belle que l'italienne, à mon avis. Elle est peut-être belle, mais c'est une paysanne. Paola est la femme qu'il faut à Sébastien. Jeune, jolie, avec un statut social et de l'argent. Comment il a pu tomber amoureux d'une aveugle? Mais c'est que l'amour est aveugle, chef. Tcheko, comment elle va faire cette fille pour se défendre dans la jungle? Son père l'aide. Son père? Cet homme est devenu une vraie célébrité. Et maintenant, il est blessé. Tcheko, ce Roquet ne serait-il pas le dieu sur Terre qui manque tant à Anna Julia?
Bon, voici ma maison. Entre, entre, Anna Julia. Merci. On vit là, mon oncle, Charlie et moi. C'est simple, mais accueillant. Oui, c'est super joli. Elle est très accueillante, ta maison. Merci, merci. Bon, moi, je vais changer mon filleul parce qu'il fait très chaud ici. Oui, il faut aussi lui donner à manger pour qu'il prenne ses médicaments. C'est vrai. Ah, très bien, je vais à la pharmacie du village lui acheter ses médicaments. Oui, c'est important. Ah, quelle belle surprise, vous êtes là. Viens dans mes bras. On est rentré le plus vite possible, Romulo. Dis-moi, Romulo, tu as des nouvelles de mon papa? Comment vas-tu, Comment il va, hein? Mon papa, comment il va? Ben, il est tiré d'affaire, mais tu sais, il est vachement étonné que tu sois pas venu le voir. Ah, Romulo, tu ne lui as pas dit que j'étais allée à Caracas avec Sébastien, n'est-ce pas? Charlie, tu es folle, Margarita Moret, tu es. Merci. Romulo, dis-moi une chose, comment il va? Qui lui a fait ça? Ben, tu sais comment ça se passe, c'est quelqu'un qui voulait gagner un pari dans la prison. Mais il a pas réussi parce que Roquet est dur comme les rochers de la cascade. Messieurs, je suis venu en personne vous féliciter. La livraison d'hier a été parfaite, carrée et sans contretemps. Elle nous a fait gagner plus d'argent que prévu et voici votre bonus. C'est pour que vous voyez que la patronne sait récompenser un travail qui est bien fait. Je vous l'avais dit les mecs, avec cette femme, on allait s'en mettre plein les poches. Ouais, ouais, vive la patronne. Vive la patronne. Ouais, vive la patronne. Ouais, vive la patronne. Tiens, vas-y, prends, ça c'est pour toi. Plein de fruits, plein les fouilles. Ouh, vive la patronne. Bon les gars, je crois que c'est mérité. Et ici, la patronne est réglo. Passez-moi la bouteille. C'était la première d'une longue série d'opérations. J'en connais un qui va drôlement être heureux de te revoir. Mais tu sais, fais très attention. Essaye de ne jamais lui refaire le coup de Maria Ruiz. Non, ça n'arrivera pas, Indio. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Roquet doive passer sa convalescence en prison. Oui, bien. Oui, c'est dangereux, c'est clair. Parce que le type qui lui a fait ça va vouloir finir le travail à son retour. Non. Ah, mais attendez. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quoi donc? Vous savez que Roquet vient juste de recevoir sa lettre de libération. Ah, ouais. Ça veut dire que... Bah que... qu'il ne retournera pas dans cette horrible prison. Oh, Romulo. Oh, quel soulagement. Alors je veux le voir, Romulo. Conduis-moi. Oui, allons voir, Romulo, tout allons-y. De suite. Allons-y. On va boire un café d'abord. Quoi? Je vous apporte un café. Non, mais, bon, merci, allons, Margarita. Allons voir papa. Il faut qu'on aille voir papa. Non, allons-y. J'arrive, je reste avec le petit ici. Oui, passez le bonjour à Roquet. Oui, merci. Toi, et pardon pour le café. Siento junto a mí y estando ausente, yo solo creo en ti, tan solo ahora que he pensado en mi camino, tan solo ahora yo escribo mi destino, con ganas de vivir, con ganas de sentir. Agradecida por lo que viví contigo. Quiero amar más allá de tus ojos. Quiero amar sin medida ni enojos. Quiero ir con tu risa a la luna y pensar en buscar mi fortuna. Soñé contigo y no estás aquí. Porque tu amor es una caja de sorpresas. Solo ahora quisiera para mí alguien que siempre quisiera estar aquí, tan solo ahora. Regalo mi sonrisa tan solo ahora. Tu
para ti, que seas feliz sin mí, que yo por ti tan solo escribo una canción. Aujourd'hui, ouais, ça va mon amour. Alors comment ça va? Tout baigne? Salut mon chou, ça va? Comment vont les affaires Lala? J'ai vu que les filles se comportent bien, qu'elles sont efficaces, qu'elles ont un bon rendement. Heureusement que tu es là. Si tu savais ce qui s'est passé. Ah Lala, qu'est-ce qu'il y a? Arrête ton cirque Lala. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est mort? Non ma chérie, il n'est pas encore mort, mais on m'a dit qu'il était sur le point. Mais de qui tu me parles là, Lala? Tu sais qu'il y avait des types bourrés, hein? Uh-huh. J'ai entendu quelques-uns d'entre eux dire qu'ils s'étaient vantés d'avoir attaqué un type à la prison et qu'il est à l'hôpital, blessé. Comment? Ah, Baniba, cet homme, c'est Roquet. Mon Roquet? Hein? Bonjour. Bonjour, Rosa. Bonjour, Rosa. Et la petite? Ah, je vais la chercher. Au fait, le père Lorenzo a appelé, il a dit qu'il rappellerait dans 10 minutes. Et Monsieur Caillot est dans son bureau avec Monsieur Rinaldo qui vient de rentrer. Mais elle est dans le salon, je vais les prévenir. Qu'est-ce que tu dis? Non, t'en fais pas, Rosa. Je vais les chercher, hein. Ah d'accord, c'est bon, j'y vais. Merci. Rosa parle de plus en plus vite, c'est dingue. Valéria, mais ce prêtre est vraiment têtu, hein? Non, ne m'en parle même pas. Je comprends pas pourquoi il me persécute comme ça. Mais enfin, Valéria, tu ne m'as pas dit qu'il ne pouvait pas trahir le secret de la confession. Alors, de quoi tu as peur? Eh bien, à ton avis, Corinna, de quoi j'ai peur? Que cet homme me persécute jour et nuit. Ce prêtre est toujours derrière moi. À tout moment, Rinaldo peut s'en apercevoir et avoir des soupçons. Je sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Tu sais, Rinaldo, si Anna Julia est retournée à la Grande Sabana, ça veut dire qu'elle peut très bien décider d'y rester définitivement. Si ça se trouve, elle veut faire sa vie avec ce Roquet. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Non. Non, papa, je ne pense pas. Je ne pense pas. Anna Julia ne m'a jamais rien dit de tout ça. Je ne crois pas. Et pourquoi elle devrait te raconter ce genre de choses? Rinaldo, tu dois accepter qu'Anna Julia n'est plus la même jeune femme que celle qu'on a connue. Sa vie a changé radicalement, et si ça se trouve, son plan, c'est d'épouser ce Roquet et de vivre dans la jungle. Pour ça, il faudrait d'abord qu'elle divorce de moi, papa. Comment? Tu as parfaitement bien entendu, papa. Il se trouve que quand Anna Julia retrouvera légalement son identité, eh bien notre mariage sera à nouveau valide. Bien sûr. Oui,
bien sûr, bien entendu. Mais j'imagine que tu divorceras d'elle immédiatement, hein? Tu sais quoi, papa? Sincèrement, je ne me vois pas divorcer d'Anna Julia. Est-ce que j'ai bien entendu? Alors comme ça, Reynaldo ne compte pas divorcer d'Anna Julia? Mais alors? Quoi? Oui, papa. C'est la vie qui me l'a prise. La vie me l'a rendue. Je n'ai pas choisi de vivre sans elle. Hmm? Corinna, Reynaldo est là? Corinna, on dirait que tu viens de voir passer un fantôme. Pourquoi tu fais cette tête? Un instant, Reynaldo, un instant. S'il est vrai que tu n'as pas choisi de vivre sans Anna Julien, c'est bien toi qui as choisi d'épouser Valeria. Et c'est une réalité que tu ne peux pas décemment ignorer. Monsieur Roquet, regardez une surprise. Thierry, ma chérie. Vous savez, Thierry. Vous criez parce qu'il n'y a pas de téléphone, n'est-ce papa. Pas papa, tu vas bien? Explique-moi, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Pourquoi tu es là, papa? Thierry. Ça va, ma Thierry. C'est fini, ma Thierry. Je vais bien. Je suis vivant. Et en pleine forme et heureux, ma chérie. Plus heureux que jamais parce que tu es ici avec moi, Thierry. Papa, dis-moi, papa, que disent les médecins? Tu vas te remettre complètement? Que disent-ils, hein? Non, Thierry, ils disent que oui, que je vais bien. Que je vais bien et que je serai papa et grand-père encore un temps, ma Thierry. Et dis-moi, ma Thierry, comment va mon petit-fils? Je l'ai laissé là-bas, chez Margarita. Elle le garde. Mais je t'ai apporté une petite surprise. Une surprise? Oui. C'est quoi, tiens? Attention, ma chérie. Ciao. Dites-moi où est Roquet, celui qui a reçu un coup en prison. Christina, il est dans la 27? Monsieur Roquet? Excusez-moi, vous êtes de sa famille? Ce n'est pas ton problème. Il est où? Si vous n'êtes pas de sa famille, vous ne pouvez pas passer. Mademoiselle, vous ne pouvez pas le voir. Je ne peux pas le voir, sa famille. Oh, tu as vu ce regard? J'ai cru qu'elle allait me tuer. Ouais, j'ai vu. Elle est folle. J'ai vraiment cru qu'elle allait me frapper. Excusez-moi. Ma chérie, je ne reviens pas. Tu es là? Oui. Tu es vraiment là? Bien sûr que oui. Ma chérie, tu es venue. Serre-moi. Tu es là, chérie. Serre-moi. C'est bien vrai que je suis là. Tu es venue me voir. Oui. Alors c'est vrai. Oui. Tu te rappelles de moi, oui? Bien sûr. Dis-moi, ma chérie, tu es là pour rester avec moi? Dis-moi, chérie, tu es là pour ça? Dis-moi. Tu vas rester avec moi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Tu sais qu'il n'y a rien que je veuille plus au monde que de me réveiller avec toi et de voir mon visage se refléter dans tes yeux. Ok. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Juste cet amour. Cet immense amour qui est plus grand que la savana. La promesse que, ma chérie, que cet amour va durer jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'au dernier jour de ma vie
Je veux seulement t'aimer. Je sais que je suis né pour t'aimer. Et pour qu'on soit une famille ensemble. Dans quel état tu me mets ? Mais pourquoi il fallait qu'elle revienne, cet imbécile ? Pourquoi tu n'es pas mort dans la jungle ? Mais aujourd'hui même, je vais gâcher cette petite fête. Tu vas regretter d'être revenu et d'avoir à nouveau provoqué la colère de Baniba. Je sais, papa. Je sais que j'ai choisi d'épouser Valeria. Je le sais. Et maintenant, tu as une fille avec elle. Une fille que tu voulais depuis longtemps. Rinaldo, tu te souviens ? Oui. Andrea Carolina est le plus grand trésor de ma vie, papa. Et Valeria, c'est aussi le cas. Ou bien est-ce que t'as oublié que c'est elle qui t'a sorti du trou dans lequel tu étais tombé après la mort d'un ingénieur ? Bien sûr que non, papa, bien sûr que non. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais ne complique pas les choses. Dans ce cas, explique-moi parce que je n'y comprends rien, Rinaldo. Fiston, je n'arrive pas à croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le retour d'Anna Julia soit un problème pour toi ou pour ton mariage avec Valeria. Papa, ce que je t'ai dit, ça vient vraiment du fond du cœur. C'est juste que je ne me vois pas divorcer d'Anna Julia, non. Parce que je n'ai jamais envisagé cette possibilité. Tu me comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois comprendre qu'Anna Julia est celle qui compte le plus pour toi, Rinaldo? C'est ça que tu veux dire? Mais enfin, Corina, c'est quoi ce mystère? Qu'est-ce que tu as entendu dans le bureau de Monsieur Caillot? Écoute, je vais te le dire, Valeria, mais... Allez, vas-y, parle. Bon, ça va. Hein? Ne va pas me dire que je ne t'avais pas prévenu, d'accord? Hein? Bon, il se trouve que... Que... Mais que quoi? Parle. Bah, Valeria, quand je suis allée chercher Monsieur Caillot et Rinaldo, hein, pour qu'ils viennent dîner, sans le vouloir, j'ai entendu tout ce qu'ils disaient. Et bon, j'ai entendu quand Rinaldo a dit que... Et il a dit quoi? Ah, Valeria, je ne sais pas comment te dire ça. Enfin, dis-le-moi, Corina, allez, crache le morceau. Bah, Valeria, mais... Mais enfin, tu me rends nerveuse. Allez, Corina, dis-moi ce qu'a dit Rinaldo. Il t'est formellement interdit de me refaire une peur pareille de toute ta vie, compris ? Écoute-moi. Tu sais, j'ai bien failli mourir de peur quand j'ai appris que tu étais blessé. C'est que, ben, il va que je fasse quelque chose pour que tu reviennes vite. Ah oui. Hein ? Mais tu es fou. Mon papa, grâce à Dieu, tu vas bien et... Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que tu es libre, alors quand tu sortiras de l'hôpital, on va pouvoir retourner vivre chez nous. Oui. Ouais, ben maintenant je vais vraiment me remettre très vite, hein. Je meurs d'envie de rentrer chez nous, et encore plus avec mon petit-fils. Écoute, Charis, ce que je veux, c'est que tu m'expliques, c'est comment est réapparu ce type. De Sébastien. Sébastien, oui. Comment ça, il veut jouer au papa tout d'un coup, comme ça, hein? Excusez-moi, Monsieur Roquet, c'est l'heure de vos médicaments. Je peux lui donner, hein? Bien entendu, on va prendre bien soin de vous. Merci, Christina. Je vous laisse. Vous savez, en cas de souci, vous criez. Vous criez parce qu'il n'y a pas de téléphone. Oui. Oui, merci. Roquet. Sébastien ne savait pas qu'il était le papa d'André. En fait, c'est moi qui lui ai annoncé la nouvelle. Ouais. Ton comprimé. C'est vrai, oui, ça. Oui. Et c'est désormais, plus rien ne peut le séparer de son fils. Tu m'écoutes? Raconte-moi où est-ce qu'il en est, ce salopard de plein de bonnes intentions, hein? Ne sois pas si dur, Roquet. Tiens. Il y a quelque chose que, ben,
qu'on doit te dire ou... Je vais le dire, hein, pour que tu ne sois pas surpris. Sébastien est ici. Comment ça, il est là? Chez Margarita, avec André. Oui, il est resté avec son fils pour que Charlie puisse venir te voir. Et ne va surtout pas t'énerver, papa, s'il te plaît. Non. Du calme, Charlie. Il sait très bien qu'il doit se reposer. Alors toi, tu vas baisser ta garde. Tu sais, je suis sûre que quand tu verras Sébastien avec ton petit-fils, si heureux, tout ça va passer et tu finiras par l'accepter. C'est bien, champion. Bon sang, Sébastien. Je n'aurais jamais pensé que tu aimerais autant André. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Si ce petit, en plus d'être un ange, est un bout de Charlie et moi. Un petit ange, c'est vrai. Ben, je croyais que comme tu n'aimais pas Charlie, ben tu n'aimerais pas non plus son fils. Ah, Margarita, si tu savais combien cet enfant a changé ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas pardonner à Paola ce qu'elle a fait. Je trouve ça bien que tu ne lui pardonnes pas. Par contre, je trouve ça injuste que tu aies aussi rejeté la faute sur Arturo. Non. Ne me parle pas de ce trait, s'il te plaît, Margarita, alors que tout va bien. Mais enfin, Sébastien, mets-toi à sa place. Entre vous deux, entre toi et Paola. Ses deux meilleurs amis. Bah, s'il parlait, il ruinait ton mariage. Oui, mais cela ne justifie pas qu'il se soit tué alors qu'il aurait dû me prévenir du sale coup que me faisait cette garce de Paola derrière mon dos. Pourquoi voudrais-je d'un ami pareil? Bah alors, tu vas être content d'apprendre que... qu'Arturo a démissionné de son poste à la clinique. Oui, Sébastien. Arturo quitte la clinique aujourd'hui. Tu es devenu fou? Tu vas vraiment démissionner? Oui. Et puisque tu es là, Migdalia, tiens, sa malade de démission. Donne-la à ton patron, s'il te plaît. Je pense que tu as tort. Tu sais que M. Caillot sera le plus ennuyé par ta démission. Ah, enfin, Arturo, tu es devenu son bras droit depuis que Sébastien est parti. Écoute, Migdalia, ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'il y a tout un tas de gens qui pourront faire mon travail et pour bien moins cher que ce que je touche. Non, Arturo, ce n'est pas vrai. Parce que tu es unique. Personne n'a tes connaissances, ni tes valeurs, ni l'honnêteté dont tu as fait preuve tout le temps que tu as travaillé ici. Maintenant, tu comprends pourquoi je dois partir. Justement parce que j'ai des principes, Migdalia. Je ne peux pas rester. Pas après ce qui s'est passé avec Sébastien. Mais ils étaient en train de parler de moi. Que disait Reynaldo sur moi, Monsieur Caillot? Dis-moi, Corinna. Mais que... Quoi? Eh ben, Valeria, je ne pense pas qu'il soit prudent de te le dire maintenant. Ah non? Écoute, attends un petit peu. Il doit s'agir de quelque chose de grave, si tu ne veux pas me le dire. Dis-le-moi, Corinna, s'il te plaît, dis-le-moi. Ah bah, ma chérie, que bah... Valeria... Quoi? Dieu m'est témoin que je ne voulais pas te le dire, hein. Bah c'est... j'ai entendu Reynaldo dire que... Mais dire que, quoi que... Ah, Valeria, le père Lorenzo... Oh mon Dieu, dis-lui que j'ai la migraine, mal à la tête, et nous deux, on parlera plus tard. Ah, Valeria... D'accord? Bonjour, Corinna. Bonjour, Père Lorenzo. Comment ça va? Bien, comment allez-vous? Quelle surprise de vous voir ici. Eh oui. Vous venez voir Martina? Non. Je suis venu voir Valeria. On dirait que j'ai de la chance, parce que je viens juste de voir sa voiture devant la porte. Tu aurais la gentillesse de lui dire que je suis là? Si tu veux, tu peux rentrer avec Romulo à la maison, parce que tu dois manquer à André. Je peux rester ici avec ton père. Oui, c'est d'accord. Bon, je sais que vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire. Passe l'après-midi avec lui, Maria. Je reviendrai ce soir et je resterai pour que tu puisses aller te reposer. Merci, Indio. Et s'il te plaît, guéris vite pour qu'on puisse à nouveau être ensemble. Bien sûr que oui, ma chérie. D'ici, je rentrerai tout droit à la maison. Bon, alors je vais tout préparer dans notre maison pour que tout soit prêt pour ton retour. Viens ici. Bientôt, papa. Que Dieu te bénisse, ma fille. Viens. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je t'aime fort. Moi aussi. Au fait,
En fait, embrasse mon petit-fils, hein. Oui. Et merci pour tout, l'Indien. Rien, mon ami. Je t'ai ramené à boire. Merci. Je te le pose ici. Oui, mets-le. Merci, mets-le là, merci. Je vais lui donner. Allez. Ciao. Ciao, ma chérie. Allez, viens, mon ange. Filez. On y va. Allez. Prends soin de ma fille, hein. Embrasse André pour moi. Bien sûr. Dis-moi, ma chérie. Ma chérie, je veux que... que tu me répondes avec... avec franchise. Je t'écoute. Voilà. Dis-moi qui... qui occupe le plus de place dans... dans ton petit cœur, hein? Ton mari? Ou moi? Solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor. Palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo muero por ti. Nada que responder a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de